Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour aujourd'hui, donc, on va commencer la réalisation d'une brassière. Cette fois-ci, ce sera une brassière en couleur avec des petites fleurs. Donc au total, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fleurs. Alors, cette même en couleur, on peut l'utiliser pour plusieurs modèles. Pour commencer, on va réaliser la première partie, donc l'en couleur. Et puis, la deuxième partie, ça sera pour la suite de notre gilet. Alors, on peut voir, brassière, gilet brassière. En couleur. Ici. Alors, c'est très simple, ce sera très rapide à faire. C'est en couleur. Alors, pour commencer, donc, moi, j'ai pris la couleur rose. J'espère que vous allez pouvoir bien voir, donc la couleur rose, j'ai monté 66 mailles au total. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 60, donc 66 mailles. Donc vous allez faire 62, donc 64 plus 2 lisières. Ce qui va nous donner 66 mailles. Allez, à la fin. 6 mailles. Alors, donc après avoir monté les 66 mailles, on fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. On fait sur toute la rangée. Alors, on va terminer la rangée par une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Alors, faire la deuxième rangée. Donc, on va faire donc cette maille à la glisse. On a une maille à l'envers, on tricote une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Donc pour avoir le point de riz, on fait une maille à l'endroit et une maille à l'envers. On va répéter ces deux rangées 8 fois, donc sur 8 rangées. Donc on répète la première rangée et on va répéter cette rangée, on répète la première, on répète la deuxième. J'espère que vous arrivez à bien regarder, à bien apercevoir par rapport à la couleur. On va terminer par une maille à l'endroit, une maille à l'envers et on termine par une maille à l'endroit. On tourne le travail, donc on répète la même chose, une maille lisière, une maille à l'envers. Vous voyez, on va répéter ces deux rangées. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On termine donc par une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Donc c'est la première rangée. La deuxième rangée, on refait une maille. Cette fois-ci, cette maille, elle est toujours glissée. Donc, comme ici, la maille, elle est à l'envers, on fait une maille à l'endroit. La maille à l'endroit, on la tricote à l'envers. Et ainsi de suite. On répète ces deux rangées. Alors, lorsqu'on termine donc de monter les 8 rangées au point de riz, la première rangée, donc, on va commencer à
première formation de cette première partie. Pour cela, la première rangée. C'est très simple. Première rangée, on fait une maille lisière. On fait 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. On fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et on répète la séquence. Donc 7 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 7 mailles à l'endroit. Donc la séquence, jeté, 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 7 mailles à l'endroit, jusqu'à la fin de la rangée. La séquence, 7 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On termine par un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et la maille lisière. On tourne le travail. On fait toute la rangée à l'envers. On termine la deuxième rangée du point ajouré. On tourne le travail et on va faire la troisième rangée. Donc on fait une maille lisière, une maille lisière, on fait 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles à l'endroit, on fait un jeté, une maille à l'envers, d'accord, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Alors ici on fait un jeté, d'accord, et on fait une maille à l'endroit. D'accord. Et on répète donc la séquence 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça me fait, après le JT, une maille, deux mailles, trois mailles, quatre mailles, cinq mailles, six mailles et sept mailles. D'accord, on fait un JT. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et on répète la séquence. Donc 7 mailles, on refait la séquence. D'accord. Donc jeté, 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On fait le jeté et on répète la séquence. Donc, 7 mailles à l'envers, la dernière. Un jeté, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et on termine par la maille lisière. D'accord?
chrétien. On tourne le travail. On fait maille lisière. D'accord. On fait une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Excusez-moi. Juste donc une maille lisière, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, donc deux mailles à l'endroit, plus le JT, et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles à l'envers. Fait 2 mailles. On répète donc la séquence. Une maille à l'envers. Fait 1, 2 mailles et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc le JT, on les tricote à l'endroit. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 7 mailles à l'envers. Et on termine par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'envers et la maille lisière. Quatrième rangée. Cinquième rangée, on va faire donc la maille lisière. On fait un surjet simple. On prend la maille glissée, on va la rabattre sur la maille tricotée. Un surjet simple, on fait trois mailles à l'endroit. Une, deux, trois. Et on fait deux mailles ensemble tricoté à l'endroit. D'accord. Mailles ensemble tricoté à l'endroit. Fait 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers et on répète la séquence donc un surjet simple. 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc on répète la séquence ici, 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit et 2 mailles à l'envers et on répète la séquence. Un surjet simple, 3 mailles. 2 mailles ensemble. C'est parti. Alors, on va terminer par 2 mailles à l'envers. 1 maille à l'endroit. Alors, ici, vous allez m'excuser, mais on va ajouter, parce qu'à la rangée précédente, j'ai oublié de faire un JT. Donc, on relève une maille pour avoir une maille de séparation et 2 mailles à l'envers. Et la maille lisière, comme ça le point sera juste. Donc, vous n'avez qu'à relever une maille. Alors, sixième rangée, on va faire la maille lisière. Donc, deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit et une, deux, trois, 4 et 5 mailles à l'envers. On répète la séquence. 2 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 5 mailles à l'envers. On termine par 5 mailles à l'envers et la maille lisière. Et la maille lisière. On tourne le travail. La septième rangée, on va faire une maille lisière.
toujours aussi. Excusez-moi. En effet, on fait un jeté d'abord, un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble à l'endroit, d'accord? Deux mailles ensemble à l'endroit, on fait un jeté, deux mailles à l'envers, une, deux, d'accord? On fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et deux mailles ensemble à l'envers. D'accord? Et on répète la séquence, un jeté, fait un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble à l'endroit, on fait un jeté, deux mailles ensemble, deux mailles à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'envers, un jeté et on répète la séquence. Donc, faut pas oublier le jeté. On termine deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'envers et la maille lisière. Ici, on ne fait pas le jeté parce que les deux mailles là vont être remplacées par la maille lisière et le jeté qu'on a fait au début. Donc, ici. Alors, on tourne le travail. On va repartir sur deux mailles à l'endroit. Une, deux, trois mailles à l'envers. Une, deux, trois, deux mailles à l'endroit. Une, deux et cinq mailles à l'envers. Une, deux, 3, 4 et 5. On fait 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 5 mailles à l'envers. On termine par 5 mailles à l'envers et la maille lisière. Donc ça, c'était la huitième rangée. Excusez-moi. Là. Et on va terminer par la maille lisière. Alors, la neuvième rangée, on fait une maille lisière, fait une maille à l'envers, on fait un jeté. Alors, cette fois-ci, on va faire un surjet double. On glisse une maille, on tricote les deux autres et on rabat la maille glissée sur la maille obtenue. D'accord? On fait un jeté, trois mailles à l'envers, une, deux, trois mailles à l'envers, d'accord? Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, trois mailles à l'envers. On fait un jeté et on répète donc la séquence. Alors, vous allez répéter la séquence comme j'ai fait, d'accord, un jeté, trois mailles à l'envers, une, deux, trois, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit.
une maille à l'endroit et trois mailles à l'envers avant de répéter la séquence. Toujours avec un jeté. On termine donc une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, on fait deux mailles à l'envers et la maille lisière. Alors, en ce comptant le travail, on va repartir la maille lisière, deux mailles à l'endroit. Deux et une, deux, trois, quatre, cinq mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit et cinq mailles de trois mailles plutôt à l'endroit, fait une, deux et trois mailles à l'envers, trois mailles à l'endroit, une, deux, trois mailles à l'envers, cinq mailles et trois mailles à l'endroit, cinq mailles à l'envers, trois mailles à l'endroit, cinq mailles à l'envers. C'est quatre et cinq. Donc, trois mailles à l'endroit. Répétez la séquence. Donc, trois mailles à l'endroit. On a une maille, deux, trois mailles à l'envers, trois mailles à l'endroit, cinq mailles à l'envers, ainsi de suite. Donc, on va terminer par trois mailles à l'envers. Une maille à l'endroit et la maille lisière. Alors, la 11e rangée, on va faire 11e rangée, on va faire une maille lisière, une maille à l'envers, on fait un jeté et on refait un surjet double. D'accord, un surjet double, un jeté, trois mailles à l'envers, une, deux, trois mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, une, deux, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, une, deux, trois mailles à l'envers, une, deux et trois. Et on répète la séquence, cette partie-là. On va répéter à partir du jeté, un surjet double, un jeté, trois mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, une, deux, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit et trois mailles à l'envers. Et on répète la séquence à partir du jeté. Lorsqu'on fait le tour, on termine par deux mailles à l'endroit et deux mailles à l'envers et la maille lisière. 12e rangée, on va faire un maille lisière, deux mailles à l'endroit, sept mailles à l'envers, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, deux mailles à l'endroit, une, trois mailles plutôt à l'endroit, donc trois mailles à l'endroit et trois mailles à l'envers, et on va répéter la séquence. Donc trois mailles à l'endroit, 7 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Et on va terminer par 3 mailles à l'envers.
une maille à l'endroit et la maille lisière. Alors, pour la 13e rangée, on fait une maille lisière, une maille à l'envers, on refait un JT, un sujet double, un JT, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un JT, 1 maille à l'endroit, un JT, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, et on répète la séquence toujours avec un JT, on répète cette séquence. Donc, un surjet double, un JT, 3 mailles à l'envers. On va mettre cette corde à partir du JT ici. Et on termine par 2 mailles à l'envers et la maille lisière. On tourne le travail donc. On fait une maille lisière, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers, 3 mailles et ainsi de suite. On termine par 3 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit et la maille lisière. Alors donc, à partir du 15e rangée, on va répéter cette rangée jusqu'à la fin. Donc on fait 15e rangée, une maille à l'envers, un JT, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un JT, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3. Quand on fait, on va diminuer, on va maintenant former la fleur et on va augmenter de chaque côté. Donc, oui, un surjet simple, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'envers. Et on répète la séquence à partir du JT. Donc, un JT, 3 mailles à l'endroit, un JT, 3 mailles à l'envers et on refait cette séquence. Donc, terminé par un surjet simple, 2 mailles à l'envers et la maille lisière. Pour repartir donc au rangée 16, on fait 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit et 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers et 3 mailles à l'endroit. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez ce que ça va donner. Au fur et à mesure qu'on va augmenter, on va former donc la fleur en gardant les 3 mailles à l'envers. Donc, on repart en séquence 7 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit et ainsi de suite. On termine par 5 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit et 1 maille lisière. Donc, je vais montrer la dernière rangée qu'on va répéter. Donc, la 15e rangée, la 16e, on va répéter la même chose. Une maille lisière, une maille à l'envers, un JT, 1, 2, 3, 4, 5, un JT, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, on fait un surjet simple, on fait 1, 2, 3 mailles, 2 mailles ensemble, on fait
trois mailles à l'envers, une, deux et trois. Et on répète la séquence à partir du jet. Donc un jet, 5 mailles à l'endroit et ainsi de suite. On fait un jet et 3 mailles à l'envers avant de faire la diminution. Terminé. On termine par 2 mailles à l'envers et la maille lisière. Pour repartir, on fait toujours la même chose. Donc une maille lisière, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. On termine par 7 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et la maille lisière. On tourne le travail. Allez voir, c'est simple. On va augmenter, on va diminuer, milieu, on va augmenter de chaque côté, comme je vous ai fait donner l'exemple. Donc, jusqu'à ce qu'on va rester avec 3 mailles centrales au milieu. Donc pour faire simple, on fait une maille à l'envers, toujours un jet, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jet, 3 mailles à l'envers, et on fait un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'envers et le jeté et on recommence la séquence. On termine par 2 mailles à l'envers et la maille lisière. Et on va repartir sur la maille lisière, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'envers, à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et refait 3 mailles à l'endroit jusqu'à la fin de la rangée. On fait 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers et ainsi de suite. On termine par 9 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit et la maille lisière. Alors on va faire l'avant-dernière rangée. Toujours la même chose, une maille lisière, une maille à l'envers, un jet, 9 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un jet, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, et ici on fait un surjet double. Trois mailles à l'envers, 1, 2, 3, un jeté et on recommence la séquence. On termine par 2 mailles à l'envers et la maille lisière. Et on va repartir de la même manière, donc 2 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'envers et 3 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers
3 mailles à l'endroit, 11 mailles à l'envers et ainsi de suite. Alors, on termine toujours par une maille à l'endroit et la maille lisière. Alors, on va simplement faire deux dernières rangées, toujours de la même manière. Une maille lisière, une maille à l'envers, injectée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, injectée. 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers et on répète la séquence. Donc, injecter 11 mailles et puis après on va revenir. Alors, voilà des, donc l'encolure terminée et on se retrouve pour la deuxième partie. Donc, vous augmentez une rangée, vous faites un aller-retour et on se retrouve après pour la seconde partie. Là, à la dernière rangée, on a au total 162 mailles sur l'aiguille.